C'est le plus grand marché de toute l'Afrique de l'Ouest. À l'heure actuelle, on compte environ 18 hectares du marché. Et le marché est tentaculaire, on dit, parce qu'en fait, on ne sait pas où ça commence et où ça termine. Donc, en fait, il y a des quartiers qui rentrent, ou les marchés qui rentrent dans les quartiers, on ne sait pas trop bien. Donc, en fait, il y a des zones lagunaires, mais en fait, sont des mêmes zones du marché, en fait, les deux arrivent à communiquer. Et en fait, sont toutes des zones eau facilement inondables ou construits sur les décès. Ça veut dire qu'ils sont à la berge lagunaire et pour avoir du terrain pour construire, ils jettent les décès, donc une grosse poubelle où on implante les maisons. Le marché, comme tout marché en Afrique en général, est tenu plutôt par des femmes et des filles. Donc les filles sont la main d'œuvre pour les femmes. Donc avec le phénomène Vidomégon, les filles en fait sont prises pour une exploitation économique. Donc elles sont envoyées vendre dans les marchés et après ils reviennent avec l'argent qui après est remis bien sûr à la tutrice. En fait, les filles n'ont aucun bénéfice de leur vente, elles sont à peine soignées et sont à peine nourries.